Salut les amis. Aujourd'hui on va aller faire une sortie pêche à l'aimant dans l'après-midi. Bon, là il est pas tard, il est 8h15. Il fait moins 2. Donc on va attendre l'après-midi. Donc on va faire une sortie de la pêche à l'aimant. Déjà, je voulais vous souhaiter les meilleurs vœux pour 2021, malgré le contexte. Et puis eh bien, on se retrouve sur l'eau tout à l'heure. Allez! C'est parti, merci. Ça y est, les gars, ça y est, on est à l'eau là. Comme on s'est vu ce matin, on a attendu un peu qu'il fasse meilleur, mais il fait quand même moins 2, ça change pas. Bon, bref, c'est pas grave, j'ai la tenue du russe, ça va bien. Donc là, on est toujours sur l'île, on va aller au pont où on a chopé la tronçonneuse avec le bilou et puis là où on a chopé aussi le coffre fort et tout ça. On va essayer de faire un test, sachant que. Il y a 15 jours ou il y a une semaine, on était encore en crue avec une belle crue. Donc on ne sait pas ce que ça va donner. On va essayer deux aimants là et puis voilà. Allez, on y va et on revient vers vous. Bon les amis, aujourd'hui on va utiliser notre fameux aimant classique de chez Magnetar là en 250 kg. Qui va super bien. On a fait une belle pêche la dernière fois. Et j'ai acheté celui-là là. Donc c'est l'aimant Bulldog, 800 kg double face. Donc on va l'essayer, c'est celui-là que j'ai jeté à l'eau au bout de deux pets et que j'ai récupéré avec celui-là parce que je ne l'avais pas attaché. Donc voilà, donc là on y va. Il y a beaucoup de courant, beaucoup de vent, il fait moins 2, c'est pas très agréable, mais voilà, on va quand même faire une belle petite vidéo. Allez, à tout à l'heure les gars. Eh Vincent, j'ai un truc là. Là. Je vais le lever doucement là parce que... Avec le courant, j'ai l'impression que... Ah ben tu vois, c'est la même chose que tout à l'heure. Voilà, allez, regardez-moi ça. Ça, c'est des trucs qui restent je sais pas quoi. Voilà, tout à l'heure, on a chopé la même chose. Voilà, de la ferraille. De la ferraille, de la saloperie. Allez, ben on continue. Mais... Ouais, alors là ça fait un petit quart d'heure là qu'on essaye de relever un truc. C'est hyper gros, hyper lourd, on ne sait pas ce que c'est. On est au milieu de la rivière là. Donc Vincent il a le 250 kg là. Je sais pas si ça va. Ça va être le pied. Hein? Ah oui, mets le pied là, vas-y, mets le pied. Voilà. Donc là, je vais essayer de l'aider avec mon aimant en plus, mais ça, tu sens que ça monte? Là c'est raide. Allez Milou. Allez. Et là ça. Et sinon on va le tirer avec le bateau. Hein. Eh Vincent. Sinon on va le tirer avec le bateau. Ça vient? Tu sens que ça monte? Ah, tu peux laisse tomber. Eh laisse tomber, attends, je vais prendre mon aimant. Bon écoutez, si on arrive à le sortir, ben, on vous montrera ça, mais pour l'instant. Je n'ai même pas la tronche que je vois avant. Alors, on est occupé là. Allez à tout à l'heure les gars. Bon voilà les amis, ça y est, on est rentré. On a trouvé pas mal de choses quand même, donc on va vous présenter tout ça. Ça s'est bien passé, on s'est accroché à la fin, on sait pas trop quoi là, avec Vincent, là, à tirer et tout, on est obligé de déplacer le bateau. C'est l'avantage aussi, c'est qu'en fait en pivotant on peut arriver à décrocher plus facilement que du bord. Voilà. Et voilà, on va vous présenter, il y a un peu de tout. Il y a un autoradio, il y a une bobine, donc l'autoradio, la bobine, ça c'est
un lampadaire ou une balustrade, j'en sais rien, qui s'éclaire, puisqu'en plus il y a les boutons avec là. On va choper deux gros tubes, un morceau de pelle, voilà, une plaque, là il y a un forêt béton, mais du tube, bon, beaucoup de ferraille, et puis après plein de petites ferrailles, voilà, de la tige, le reste de la balustre. Donc voilà. Alors écoutez, si ça vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire, hein, un petit pouce, un like, des commentaires aussi. Vous me dites si vous voulez que je fasse des essais de quelque chose ou voilà. Dites-moi tout dans les commentaires et puis je vous répondrai. Je prendrai le temps. Allez, merci les amis, salut.